Ouais. Alors, pendant qu'on enregistrait, on était en résidence dans l'Aveyron. On a enregistré la Lune Rouge, qui est un endroit magnifique, qui est perdu dans les bois. Et le soir, on rediscutait de ce qu'on avait enregistré dans la journée. Puis on rigolait, on picolait, on écoutait des trucs. Et puis on était dans cette expectative de savoir si qu'est-ce qu'on allait faire de cet enregistrement, parce que le CD c'est en voie de disparition. Et puis on n'avait pas d'argent pour faire un vinyle. Bon, on s'est dit, ah, peut-être on va trouver l'argent, mais bon. Et puis en discutant tous ces soirs-là, et en picolant et en rigolant, on se disait, ouais, mais il faudrait une image quand même, qu'est-ce qu'on mettrait sur la pochette? Donc on a commencé à discuter, à délirer, on sortait des conneries, quoi. C'était vraiment des... Et puis petit à petit, moi je peins, mais je suis un peintre du dimanche, enfin c'est tous les jours dimanche maintenant, mais si. Et à la fin, quand on est parti, ben, j'avais l'image dans la tête, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, bon, je vais la faire l'image, même s'il n'y a pas de pochette, s'il n'y a pas de disque, je vais faire l'image. Donc j'ai peint ça, et puis je l'ai envoyé aux copains. Et ce qui est rigolo, c'est les copains, ben évidemment, ça venait de nos discussions, les discussions qu'on avait eues ensemble, donc les images collées avec ce qu'on s'était dit. Et les copains ont dit, mais elles sont trop bien ces images, maintenant qu'on a l'image, on est obligé de faire le disque. Donc final. Et donc on a réussi à trouver les ronds pour. Enfin, on a fouillé dans nos tiroirs pour trouver un peu d'argent pour sortir ce vinyle. Et ben, voilà. Voilà d'où vient l'image, ça vient de nos délires collectifs, quoi. Quelque chose comme ça.